Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une séance jambes à la salle avec le frérot, d'accord? Je devais normalement te filmer la séance avec le frérot, mais j'ai oublié un petit détail. J'ai vraiment oublié un petit détail. Et ça, c'est chiant. C'est qu'il y avait du monde de fou à la salle. Vraiment, il y avait du monde de fou. On est parti à 15h. Il y avait du monde de fou à la salle. Et en fait, le truc, c'est que je t'explique. Là, je m'entraîne actuellement à On Air Montreuil. Niveau certificat ALD, je suis à jour. J'ai réussi à me procurer un certificat ALD. J'ai fait les choses bien par rapport à ça. Je suis en règle. Mais le problème, c'est que dans toutes les salles de sport, bah, il y a des contrôles de police. Dans certaines salles qui sont peuplées, il y a des contrôles. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas le masque en salle de sport et il y a beaucoup de personnes qui ont des fausses certificats ALD, d'accord? Des faux prescriptions, des faux médecins, plein de fausses choses. Et ça, malheureusement, ça pose problème. Je m'entraînais aussi à la Courneuve, mais le problème, c'est que la Courneuve, il y a beaucoup de monde, tu vois, il y a énormément de monde. Après, la Courneuve, c'est une salle magnifique. Je ne vais pas te mentir, pour moi, c'est le meilleur des On Air que je suis allé. Et ça reste le meilleur pour moi. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens. Et c'est une salle dans laquelle je fais déjà tous mes tournages. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un client qui veut une vidéo en salle, c'est à la Courneuve. Donc, comme je vais tout le temps à la Courneuve, je me dis que j'ai envie de changer un peu, voir d'autres personnes, voir d'autres têtes. Parce que oui, en cette période-là, tu vois tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les mêmes gens. Et moi, ça me fait chier un peu. Tu vois, j'aime bien changer. Et à Montreuil, j'étais tranquille, tu vois. On était 15 dans la salle, c'était bien, c'était bon délire. Je ramenais ma caméra avec le frérot, je faisais mes vidéos, je rigolais, je faisais les choses bien. Mais là, ils ont fermé un On Air. Maison Alfort a été fermée, malheureusement. Et ça a failli arriver à la Courneuve, il me semble, parce que la police, je pense que c'est la répression des fraudes, ils sont venus. Ils ont vu tout le monde sans masque à la salle et ils ont mis un avertissement à la salle. Donc je sais pas si c'est une amende ou quoi que ce soit, mais ils ont mis un avertissement à la salle. Ils ont dit la prochaine fois ils ferment, tu vois. C'est-à-dire que la Courneuve est sur la sellette, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Et dis-toi, ils ont fermé Maison Alfort. Maison Alfort, c'est un club qui avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde, tu vois. C'était une salle où c'était déjà le bordel dedans apparemment. Et tous ces gens-là bah, sont partis dans les autres On Air. La Courneuve et Montreuil. Et peut-être Blanc-Mesnil et les autres On Air. Et ça, ça fait qu'à 15h, ta salle est blindée, malheureusement. Donc là, je te cache pas, on arrive à la fin. Hein. Clairement, hein. On arrive à une fin. Hein. Parce que si ils ont réussi à fermer un On Air, On Air, je rappelle, c'est vraiment l'ancienne qui a fait que toutes les salles ont pu réouvrir, pour moi, notamment On Air La Courneuve, qui a fait le nécessaire pour ouvrir et qui a donné, on va dire, cette flamme aux autres salles d'ouvrir. Si On Air ferme, c'est la fin pour tout le monde et on va vivre un couvre-feu comme on l'a vécu en mars. Clairement. Enfin, un confinement couvre-feu. Mais là, il commence à refaire beau, il commence à refaire chaud. Donc, les entraînements dehors, on pourra en faire, il n'y a pas de problème. Pour soulever des poids, ce sera un peu plus dur. Moi, j'ai un home gym, donc ça va. Mais je te cache pas, je préfère aller en salle. Avoir un home gym, c'est bien, mais tes entraînements ne sont pas les mêmes. Tu vois, en salle, tu as l'ambiance, tu as plusieurs poids, tu as. Je sais pas, en salle, tu es mieux. Malheureusement, tu es mieux. En home gym, je sais pas, il y a un problème. Tu n'es pas tranquille en home gym. Et ça, je pense que c'est que ceux qui ont un home gym qui pourront le comprendre. Du moins, un home gym chez toi. Je pense que si tu as une box, genre tu loues une place de parking ou un truc et tu fais un truc intéressant, je pense que là, ça peut être bien. Mais avoir un home gym dans ta maison, franchement, c'est pas le bon plan, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur d'être sérieux. Bon, en tout cas, salle de sport ou pas, mes objectifs restent les mêmes. Tu vois, si on ne peut plus aller à la salle ou si tout est fermé demain, bah, c'est pas trop grave, hein. Il n'y a rien qui change. Moi, je vais continuer à m'entraîner chez moi et ça va me donner encore plus l'envie de faire des programmes à la maison. D'accord?
J'avais une petite idée d'ailleurs, je voulais faire des programmes en extérieur, mais le problème c'est que à l'extérieur, la lumière elle est très variable. Et moi niveau qualité, je suis très pointilleux, tu vois. Ça veut dire que si jamais un coup il y a la lumière, un coup il n'y a pas de lumière, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, ben, ça sera bizarre. Sachant que le format est assez long parce que j'ai fait la séance avec toi. C'est pas je te dis de faire ça et moi derrière je suis assis, je te regarde. Non, si on fait le programme ensemble. Et j'aimerais au moins que les conditions soient parfaites pour. Donc je verrai. Vu qu'il fait beau, il fait chaud, ça peut être intéressant. Ou bien alors peut-être des routines d'entraînement dehors. Tu vois? À voir. Mais j'ai envie de faire du contenu extérieur. Ça fait du bien. Parce que rester tout le temps au même endroit, ça commence à m'énerver. Pour les programmes qui vont arriver. Alors là, on va faire des programmes sur des tempos. D'accord? Sur la double contraction. Sur de l'isolation. Et là, on va tout faire. D'accord? Clairement, on va tout faire. Moi, mon but, c'est simple. Sur cette chaîne, cette année, c'est simple. Tout ce que tu peux voir sur des applications payantes, sur des programmes payants, sur des trucs, des lives de coach ou des trucs que tu peux acheter, enfin, tout ce que tu peux payer, moi, je vais le faire en vidéo gratuitement. C'est mon but de cette année et je m'en fous. Tu vois, clairement, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. J'ai les caméras, j'ai les accessoires pour, et j'ai envie de le faire, donc je vais le faire, clairement. Et aussi, on arrive en mars, donc on va travailler les abdos, d'accord? Travailler les abdos, c'est important, c'est vraiment important. Donc, programme abdos, on va faire des... En fait, on va faire plein de choses. Je vais essayer de rendre cette chaîne, du moins, rendre le côté sportif de cette chaîne complet. Mais vraiment. Juste pour cette année. Pour les autres années, on va faire aussi du sport, d'accord? Mais là, j'aimerais faire le plus de choses possible. Afin que toi, débutant sur cette chaîne, tu retrouves tout. Parce que, je vais te dire un truc sur YouTube. Quand tu recherches une information dans le sport, tu regardes une vidéo là, un programme là-bas, un truc ici, un truc là-bas. Et au final, tu fais rien, tu vois, parce que tu cherches partout. Moi, j'aimerais... Tu au moins sur cette chaîne, tu peux tout trouver et tu fasses ce que tu veux. Déjà, ça fera des vues, ça fera des sous, c'est bien, mais toi, tu seras bien. Okay? On sera tous bien, toi et moi. Comme ça, c'est donnant-donnant. Bon, voilà pour cette vidéo. Hein. Moi, je suis juste dégoûté que Honor Montreuil soit blindé. Honor La Courneuve, j'en parle même pas. Et je pense vraiment que toutes les salles seront fermées. Je l'espère pas, mais je pense, vu comment c'est parti. Et moi-même, je suis en salle de sport. Les règles, voilà. Les gens, en fait, t'as beau faire des rappels, t'as beau faire un truc. Y a toujours les mêmes personnes qui ont pas envie de comprendre, tu vois. Et c'est à cause d'eux que les salles vont fermer, malheureusement. Si tout le monde mettait le masque, ne serait-ce même dans les allées pour aller d'un point A à un point B, ça arrangerait beaucoup de choses. Mais il y a des gens, malheureusement, que leur masque, ils sont là à l'entrée et à la sortie. Mais dans toute la salle, il n'y a pas de masque, malheureusement. Mais j'espère vraiment que les gens comprendront et que les salles ne fermeront pas. J'espère vraiment. Si t'es resté jusqu'à là, dis-moi quel programme tu veux voir en premier. D'accord? Et c'est cela que je traiterai. Sinon, on va faire simple, hein. On va prendre ceux qui font le plus de vues et on va commencer par ça. Clairement, comme les pecs et le dos. Par contre, dos, il me semble que j'ai fait un programme dos. Mais de toute façon, le dos, j'ai des trucs cool qui vont arriver pour le dos. J'ai des trucs cool, j'ai plein d'idées pour ça. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et aussi à mon Instagram, c'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.